critiquer là-dessus. Sur Lagat 4. Ouais. De chez Youth. Ouais. Bellato. Super. Plot réglable. Ding, ding. 4. 4 arrivées d'air. Dessous. Il n'y en a pas au-dessus. Elles sont pas réglables. C'est très aérien. Pour le mec qui aime que ce soit aérien, il va être heureux comme tout. Moi, je suis pas très fan que ce soit trop aérien. Pour des atos comme ça, Genesis, je préfère voilà, ou qu'il soit réglable. Celui-là, il n'est pas réglable, malheureusement. Dévissage du caps. Très bonne matière. Voilà. Vous avez deux entrées. Là, je l'ai fait en micro-coil coton. Double micro-coil coton. D'accord. Donc, assez simple à faire. Bon, des avantages du micro-coil coton, c'est avoir juste le coton directement à l'intérieur de la chambre. Donc, c'est pas très conducteur. Donc, de temps en temps, je l'imbibe pour que ça remonte un peu. Montage assez simple. Hein, petit tournevis. J'ai fait 6 tours. J'ai resserré. Chauffé. Bien bloqué, j'ai pris mon coton, cardé. Alors là, ce que je fais moi, c'est que je le passe d'abord, je garde mon coil coton dans les mains, je passe à l'intérieur, je laisse dépasser pas plus que ça, et tout le reste, je le plonge dans la chambre. D'accord? Je le plonge dans la chambre, et après, mon coil, je viens mettre sur le pôle négatif, pôle positif. Et je fais la même chose, 6 tours. Avec du Cantal 0,30, 6 tours, hop, de l'autre côté, à l'intérieur de la chambre, et je serre de chaque côté. Là, avec ce montage, donc je suis à 0,5. Je trouve qu'il va très bien avec mon Panzer. Il m'a coûté un œil. Un petit drip. Bon, celui-là, il est tombé. Un autre. Un drip clone. Et qui est fast take. Ouais, 1 €. Oui, 1 €, il est beau. Voilà, on va bien avec lui. Puis chouette. Puis il a des petits traits dessous. Ça fait pareil. C'est chouette. Enfin bref, il envoie bien. C'est parti. Non, c'est pas parti. Parce que comme j'ai dit, le pot est réglable. Et si tu le règles pas avant, eh ben ça marche pas. Mais ouais. Et ouais, ouais. Oui, c'est beaucoup mieux. Ouh ! Et oui, il envoie beaucoup. Il envoie très très bien. Franchement, très bon atout, rien à dire. Très aérien. Bon, c'est pas non plus un dripper avec une ouverture comme ça, mais il est vraiment très aérien et il est pas réglable. Je préfère prévenir, il est pas réglable. Donc le mec qui aime que ce soit bien serré, il oublie le Lagat 4, hein, il l'oublie tout de suite, à moins de boucher avec du chewing gum les trous, mais bon, pas très esthétique. Hein. Mais autrement, voilà. Franchement, il est très beau. Il y a rien à dire. Moi, je trouve ça, j'aime bien son design, bien pensé. Magnifique, je le kiffe. Mais vu que c'est pas ma vape, je pense que je vais le revendre. Ouais, je vais pas le donner. Non, je vais le revendre parce que je l'ai payé 38 € quand même. J'ai un pote, il va être content. Mon petit Gabs, je pense qu'il va être heureux parce qu'il va comprendre que je vais lui revendre. Par contre, au même prix que je l'ai acheté, voilà, 38. Au moins, tu n'auras pas les frais de port. Je te l'emmènerai directement. Voilà, c'est tout. Franchement, très bon atto. Montage très simple. Il fait je vais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'il y a 3 millilitres, je crois qu'on peut mettre 3 dedans, ou 2,5 ou 3, quelque chose comme ça, ou peut-être 3,5. En fait, je sens que je vais dire une connerie, donc en fait je vais fermer ma bouche, je vais rien dire. Il y en a qui rentrent, mettez du liquide dedans quoi. Enfin voilà,